fait longtemps, on les attend, on ne les voit pas. Bonjour. Ah, allez, voilà. Bonjour les amis, comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonjour. Oui, vous nous excusez. J'espère que vous allez bien aussi. Ah oui, ça va. Et cette séance de thé, elle commence bien? Très bien. Mais depuis tout le temps que tu mets ton thé au feu, j'espère que tu n'es pas en train de droguer ton thé. Ah ben écoutez, vous parlez de drogue comme si c'était du jeu alors que c'est un problème très sérieux. Ouais, c'est un problème sérieux, mais moi je m'inquiète parce que je vois beaucoup de jeunes qui mettent du M10, du M14 bleu dans leur thé et ça me pose réellement des problèmes. Ah oui, tu as raison, mais j'ai pas envie de me droguer. Donc, pourquoi vous droguez vous, mes amis? Mais c'est vrai, hein, Jonathan a raison de s'inquiéter parce que c'est un problème assez sérieux de nos jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Karim. Karim, oui. Oui, le brillant élève. Ben oui, alors il s'est laissé prendre à ce jeu et là maintenant il est complètement noyé et on ne le reconnaît plus. Ah, Karim? Mais oui. Mais vous savez, Karim n'est pas un cas isolé. Il y a bon nombre de jeunes qui se trouvent dans la même situation que Karim. Et vu l'ampleur de ceux-là qui prennent la drogue et la recrudescence du taux de consommation de la drogue, moi je me demande, qu'est-ce qui pousse les jeunes à prendre la drogue? Je dirais que c'est la mauvaise compagnie. Parce que de nos jours, si on voit par exemple un groupe de jeunes comme ça, et si la majorité prend la drogue, et tu n'es pas la seule personne à ne pas prendre, tu vois l'influence du groupe, ce qui peut t'attirer. Oui. Quand on est dans un groupe, on a besoin de s'affirmer, de faire sortir le courage, de montrer qu'on est un homme. Mais je vois aussi le problème de la curiosité. Parce que mes amis font ça, je vais essayer pour voir. Je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a et je deviens dépendant par la suite. Oui, il y a aussi la curiosité parce que les parents m'ont interdit ça, mais je ne sais pas pourquoi. Et puis je vais essayer pour voir. Et souvent aussi, il y a la rébellion des jeunes. Parce qu'on est interdit de faire ça, moi je vais le faire pour voir ce que ça donne. Oui, là c'est la période de la crise d'adolescence. Oui, certains aussi prennent la drogue pour oublier les soucis. Pour pouvoir noyer, ils se disent qu'en prenant la drogue, ils vont oublier tous les problèmes qu'ils ont et ils auront la paix en quelque sorte. Mais moi je trouve que s'il y en a qui prennent la drogue, c'est surtout parce qu'ils ignorent les méfaits de la drogue. Très souvent, ils prennent la drogue tout en ne sachant pas que la drogue a des conséquences fâcheuses. Ouais, on consomme la drogue comme ça, en ignorant ce que cela peut entraîner. Ouais, et parlant des conséquences, elles sont bien nombreuses. On peut parler de la dépendance. La personne devient complètement dépendante. Et son organisme réclame et est obligé de se sacrifier. Ah oui, c'est ça. Et justement, cette dépendance-là, moi je trouve qu'elle est liberticide. Parce que lorsqu'on devient dépendant d'une chose, la chose s'impose à nous. Ouais. C'est un facteur aliénant et ça tue la liberté humaine. Tout à fait. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je me fais cas d'une des conséquences, une conséquence un peu plus grave, c'est que la drogue peut entraîner la destruction des relations sociales, familiales qui vraiment dégradent tout quoi. Oui, une fois que les relations sociales sont détruites, la personne est marginalisée. Ouais. Ah oui. Et une fois dans ces situations de marginalisation, elle est davantage enfoncée dans la drogue. C'est ça. Ouais. Oui. N'oublions pas aussi le problème de la santé. Parce qu'on voit de nos jours que la drogue vraiment touche beaucoup de gens. Elle a également des conséquences. Si tu prends par exemple la drogue, elle peut entraîner des troubles mentaux. Donc, qui peut conduire à la folie. Et si tu es folle, tu te trouves seul, comme vous le dites, marginalisé. Ouais. Il y a également le problème du cancer qui peut entraîner la mort. C'est ça. N'oublions pas, parce que ces gens aussi, ils ont l'incapacité de fournir des efforts. L'organisme n'aime pas, l'organisme ne supporte pas les produits, la drogue comme ça. Donc, en prenant la drogue, ils sont incapables de fournir les efforts propre à eux-mêmes. Donc face à un problème donné, il ne peut pas prendre une décision, c'est non. Ça. Et vu toutes les conséquences de la drogue, comment éviter de tomber dans cette situation? Moi je dirais que pour éviter de tomber dans ce fléau, il faudrait avoir une confiance en soi-même. Parce que très souvent on remarque qu'on utilise la drogue et les stupéfiants pour pouvoir oublier les problèmes, se surpasser et on met tout l'espoir que l'on a dans ces stupéfiants-là. Mais je trouve qu'il faut que chacun soit responsable de sa propre personne. Et il ne faut pas qu'on se laisse aller dans la drogue. Et c'est ce que je pense réellement. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais il faudra éviter les mauvaises compagnies. Parce que si je suis avec un groupe de jeunes qui consomment de la drogue, je suis forcément obligé toujours fortement influencé de consommer la drogue un jour.
Donc à ce titre, il faut vraiment choisir ses amis. Il faut chercher des bons amis, éviter la mauvaise compagnie. En évitant les mauvaises compagnies, là, il faut avoir un cadre sain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller t'asseoir avec des gens que tu sais que ces gens, ça, ils prennent la drogue. Mm-hmm. Tu t'en vas t'asseoir avec eux pour bavarder. Par fini, tu seras un drogué. Oui, c'est ça. Hein. Ça rejoint un peu ce que la parole de Dieu dit d'ailleurs. Hein. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et donc, si on fuit les mauvaises compagnies, on a de fortes chances de ne pas se laisser influencer. C'est ça. Ouais. Moi, je dirais également qu'il ne faudrait pas s'engager dans quelque chose qu'on ignore. Par exemple, c'est conséquent. Si on prend par exemple l'exemple de ceux qui viennent des villages comme ça, qui viennent pour chercher du boulot, ils arrivent tout nouvellement. Bon, avec la mauvaise compagnie, comme on le dit, on leur donne par exemple la drogue de prendre parce qu'ils vont bien travailler pour que le patron soit content. Eux aussi se lancent là-dedans. Et ensuite, voilà les conséquences. Donc, je dirais que pour ces personnes-là, il faudra qu'ils sachent se retirer en tout cas. Il ne faudra pas qu'ils prennent la drogue pour cela. Éviter de consommer les choses, les produits dont on a. Qu'on ignore, qu'on ne connaît pas. Vu l'importance de nos préoccupations au sujet de la toxicomanie et de la drogue, je me propose d'aller voir quelqu'un que je connais, qui est le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, pour avoir de plus amples informations. Donc, ça serait intéressant. Je m'en vais sur ce pas pour avoir de plus amples informations. Ça serait intéressant. Et pendant ce temps, moi, je vous invite à regarder un clip. Hein. Ah, super. Ça, super.
Bonne arrivée. Ah bien, bonne arrivée Jonathan. Merci. Donc je vais vous faire maintenant le compte rendu de mon interview avec l'expert. D'accord. C'est intéressant j'espère. Ouais. Ok, alors on est partant pour regarder ça. Pour commencer, monsieur Christophe, pourriez-vous nous dire quelle est l'ampleur de la drogue présentement? Je dirais tout d'abord que ce phénomène est un phénomène mondial. Aucun pays n'est épargné. Et le Burkina, n'en parlons pas, surtout de par sa position géographique. Vous savez que nous sommes un pays enclavé, obligé de développer des moyens de communication pour survivre. Ça veut dire que notre pays est un pays de transit de drogue. Donc on y trouve toutes les drogues que vous pouvez connaître. Les drogues dures comme les drogues douces. Notre problème, c'est le problème du cannabis qui depuis un certain temps existait peut-être à l'état de consommation, mais qu'on a constaté depuis un certain temps que dans certaines régions, on y cultive cette drogue-là. Et également le problème des comprimés, je dirais des psychotropes. Là, je n'ai pas besoin de commenter. Si vous faites un feedback, vous saurez qu'il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 8 ans, notre pays n'était pas si arrosé par ces comprimés-là. Alors, cette situation nous inquiète, cette situation nous interpelle tous et c'est une préoccupation du gouvernement. Parler donc de conséquences, il faut donc voir l'action que le produit va faire sur le système nerveux central, donc de façon générale sur la santé humaine. Alors, une personne qui prend la drogue, il aura son système détruit ou perturbé ou stimulé, ça veut dire qu'elle ne se commande plus. Alors, les conséquences sont tout à fait logiques. Alors, vous attrapez n'importe quelle fille, n'importe quelle prostituée, vous n'avez pas besoin de préservatif. Ce n'est même pas votre problème. Et vous pouvez, vous savez très bien par cette occasion, en tout cas, contacter le virus du sida. Il y a beaucoup de problèmes. Pour sortir de la drogue, il faut avoir une volonté de faire. Si vous n'avez pas cette volonté de faire, on a beau vous donner les moyens, on a beau vous mettre dans des centres de désintoxication, on a beau vous suivre, c'est difficile. Parce que le problème, c'est que vous vous trouvez dans un état d'aliénation, vous vous trouvez dans un état de dépendance totale, que vous ne vous commandez même plus. C'est difficile. Il faut avoir une volonté. Donc s'il y a un conseil, je leur demande de faire un effort pour réfléchir à leur situation personnelle, leur situation familiale, la situation sociale. En fait, qui sont-ils? Ils ont perdu même leur personnalité. S'ils arrivent à prendre conscience de cela et à prendre une décision, avoir une volonté, avec maintenant les soins qui leur seront donnés, ils pourront s'en sortir. Mais comment éviter de tomber dans ce fléau qu'est la drogue? Ah, là c'est la question principale, c'est une question intéressante. Comment éviter de tomber? C'est encore difficile. Parce que le trafiquant de drogue, il choisit sa cible. Il choisit sa cible, il vous suit et il guette le moment opportun pour vous appâter. Parce que c'est qu'à ce moment-là, vous ne pouvez pas refuser. Nous pensons que pour s'en sortir, il faut connaître la drogue, il faut connaître ce que c'est que la drogue, il faut connaître ce que produit comme effet la drogue une fois que vous la consommez. Une fois que vous êtes informé de cela, je pense que vous pouvez vous défendre. C'est l'autodéfense, si vous voulez. Si vous arrivez à savoir que prendre, par exemple, rien que les comprimés, que vous appelez, les communs des mortels appellent tout de suite pour y entendre parler, ou bien bleu, ou bien le dafourba, vous en connaissez, il y en a plein. Si vous connaissez les effets de cette drogue à long terme, à court terme, à moyen terme, je crois que vous allez en tout cas vous départir de ça. Je remercie donc M. Christophe Compaoré, qui, je vous le rappelle, est le secrétaire permanent du Comité national de lutte contre la drogue, de s'être prêté volontiers à nos questions et d'avoir répondu à celles-ci.
N'est-ce pas que les propos tenus par l'expert étaient enrichissants? Oui, je dois avouer que j'ai été vraiment enrichi par... Ça m'a beaucoup apporté. Moi également. Surtout, je ne savais pas que la drogue avait des conséquences à long terme. Du moment où il soulignait le problème de l'amétrisme, je ne savais pas que la drogue aussi pouvait entraîner ça. Alors, voyez-vous, moi j'ai été réellement touché par un aspect parce que lorsque l'expert a parlé du fait que les drogués ne sont pas, lorsqu'ils agissent, ils ne sont souvent pas eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils agissent sans savoir le fond de leurs actions. Et c'est lorsque, après, ils sont en période de lucidité qu'ils peuvent prendre conscience des actions qu'ils ont posées. Mais au moment où ils agissent, lorsqu'ils ont pris une dose, ils sont en ce moment-là. Ils sont plus eux-mêmes. Ils sont soumis à une force extérieure. Ouais. Ils sont inconscients des actes qu'ils posent. Oui, ça pose un profond problème parce que Dieu a créé l'homme pour qu'il soit lui-même maître de lui, maître de ses actes. Et lorsque la drogue arrive à faire que tu perds toute ta personnalité et que tu ne te contrôles plus, ça représente réellement un danger pour la personne. Ah oui, on dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui. Il ne faut pas que ce temple soit transformé. Au lieu que ça soit un temple du Saint-Esprit, que ça soit un temple de la drogue, vraiment, ça ne sera pas conforme à ce que la parole de Dieu veut dire. Quoi. Il faudrait qu'il y ait un esprit saint dans un corps saint. Oui, c'est ça. Et parlant de destruction, vu que la drogue, à long terme, finit par détruire le corps et l'organisme, et je crois que la parole de Dieu dit que si quelqu'un détruit le corps, qui est le temple de Dieu, Dieu détruira la personne. Et là, je crois que ça devrait vraiment nous amener à réfléchir. Que la parole de Dieu aussi demande d'être prudent, surtout la prudence, car il dit qu'il faut être prudent comme des serpents et simple comme des colombes. Ouais, exactement. Dans la même idée que l'esprit, il a eu à dire qu'il faudrait surtout avoir la volonté pour sortir. Donc, pour avoir la volonté, je crois qu'il faudra aussi accepter Christ. Il faudra reconnaître le Seigneur comme ton sauveur, parce que lui seul peut t'aider réellement à sortir de ce monde. Le vide que vous avez. Oui, et là, ça repose. En fait, il faut dire que la jeunesse a besoin de repères, de modèles. Et ce serait intéressant pour ceux qui, comme nous, ont eu la chance de ne pas déjà être tombés dans le problème de la drogue, s'efforcer à être des modèles. Hein, parce que c'est comme la parole de Dieu le dit, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en actes, en paroles et dans tout ce que tu fais. Et c'est un réel défi qui est lancé à la jeunesse, d'être une jeunesse qui est un modèle pour tous ceux qui sont autour. Et cela nous amène un peu à réconcilier le fait que certains jeunes... Merci Valérie. Certains jeunes se fixent des modèles et veulent sans cesse ressembler à ceux-ci, même si ceux-ci utilisent des drogues et tout cela, ils veulent coûte que coûte ressembler à ceux-ci. Et pour ces jeunes-là, ça nous amène à leur dire de laisser tomber cela et de pouvoir fixer un seul modèle qui est Jésus-Christ. C'est ça. C'est cela. Et les Écritures nous enseignent toujours d'être saints, car Christ même est saint. Sans la sanctification, nul ne peut voir le Père. Mais comment allons-nous faire pour aider les drogués? Je dirais que les drogués ont surtout besoin de notre assistance, surtout l'amour maternel ou l'assistance des proches pour pouvoir s'en sortir. Parce que sans l'assistance, ils retomberont toujours dans la drogue. Donc il faudrait qu'on essaie chaque fois de leur apporter notre aide. Ouais. Ouais. C'est vrai que la situation de drogue les amène à être marginalisés. Et la société, nous, on devrait plutôt aller vers eux et les intégrer, les ramener. Parce que plus ils sont marginalisés, plus ils s'enfoncent, je crois. Et puis, remarquez que l'expert a eu à dire que le drogué devient une loque humaine. C'est-à-dire une charge pour la société, un poids réel. Et si nous laissons les drogués dans cette situation-là, c'est ceux qui ne pourront jamais avancer, mais ils vont continuer à être des poids pour la société. Ouais. Et c'est donc de notre devoir d'agir de telle sorte à les réintégrer dans le système social, afin qu'ils puissent avoir une place. Il ne faudrait pas qu'on adopte une attitude de marginalisation, mais qu'on puisse leur témoigner d'un amour. Et peut-être à travers cet amour, ils pourront avoir la solution au problème qu'ils avaient en prenant la drogue. Et ils vont pouvoir laisser tomber la drogue et se réintégrer dans la société. Pour tout dire, en fait, les drogués ont besoin d'être entourés. C'est ça. Oui, certes, c'est difficile d'en sortir, comme nous l'avons vu.
Mais cependant, il y a quand même quelques-uns qui arrivent à s'en sortir. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un. Ouais. Je connais quelqu'un qui a pu s'en sortir. Et nous pourrions l'écouter. Et ça pourrait être très intéressant. Ah ouais. Bon. C'est nos mamans qui nous ont mis à l'école. Bon, le moment qu'elle a quitté, donc il n'y a pas de soutien et que je peux avancer à l'école. Donc comme il n'y a pas de soutien, et c'est ce moment que j'ai commencé à faire banditisme. Et si je suis revenu à la maison, je n'ai pas trouvé de nourriture pour à manger. Donc ce moment, j'ai commencé à voler un peu. Rentre dans la brousse, voler des manioc, des trucs amenés à la maison. Et je n'ai pas pu aller continuer à l'école, donc j'ai laissé. Et ce moment, donc, j'ai quitté à la maison, rentré dans la ville, resté parmi les délinquants. Donc ce moment que j'ai commencé à fumer, aux cigarettes, jusqu'à 12 ans, j'ai commencé à fumer et marijuana. Et j'ai fait 7 ans d'apprentissage, j'ai eu mon diplôme. Après ça, j'ai commencé. Bon, après le mois que j'ai sorti dans le métier, bon, il n'y a pas de soutien que je vais planter un atelier pour commencer mon travail. Donc j'ai commencé encore le banditisme. Et puis jusqu'à aller à la prison. Bon, le moment que je sortais à la prison, je pensais que le banditisme, ce n'est pas bon. Donc moi, je commençais avant des trucs, cigarettes, bon, des trucs quoi, comme commerce. Bon, ce moment, je connais un frère qui est mon copain. Il m'a montré la drogue cocaïne et l'héroïne. Donc je décide que je vais acheter le cocaïne, amener à Lomé. Donc j'ai partagé mon argent que j'ai en deux parties, pris une partie aller acheter le cocaïne et l'héroïne, pris une partie acheter les pièces détachées. Bon, à mon retour à Lomé, bon, je trouve que la drogue cocaïne bien, et la drogue cocaïne et l'héroïne, je trouve l'argent que j'ai eu là-bas, c'est beaucoup. Donc je décide que je ne veux plus acheter les pièces détachées encore. Donc je continue en même temps pour vendre la drogue cocaïne. Le moment que j'ai commencé à fumer, donc mon argent a commencé à finir, jusqu'à mon argent est fini. Donc à ce moment, je n'ai pas de l'argent pour continuer à vendre. Donc je suis devenu fumeur maintenant. Donc comme je suis devenu fumeur, je n'ai pas trouvé l'argent pour aller fumer. Donc je dois aller chercher l'argent n'importe où je peux trouver l'argent. Donc c'est ce moment que j'ai commencé encore à voler et puis je rentre dans les clubs forts pour aller casser les magasins, trouver l'argent là-bas pour aller acheter la drogue et pour fumer. Ça, je pensais que maintenant comment je vais faire, et donc je pensais, je n'ai pas trouvé le moyen, donc je décide que je ne peux pas continuer à fumer à la drogue cocaïne. Donc j'ai appris une fois qu'il y a un centre qui s'occupe les toxicomanes ou bien les drogués, les délinquants. Bon, j'ai demandé là où je peux trouver le centre. Donc on m'a montré le centre et je suis rentré dans le centre et c'est là-bas que j'ai eu le salut, bien j'ai eu la guérison et puis j'ai laissé la drogue et j'ai laissé tout le banditisme, tout ça, du vol, tout ça. C'est là-bas que j'ai laissé par la grâce de Dieu. Amen. Suite à l'ensemble des connaissances que j'ai reçues sur la drogue à travers nos discussions et l'intervention
de l'expert, je me rends compte que la drogue est un grand mal. Eh oui. Hein. Et alors je prends la ferme résolution de ne jamais toucher à la drogue. Ah, ça c'est bien. Bonne résolution. Ça. Ouais. Moi également, je prends la résolution à partir d'aujourd'hui d'informer mes amis sur les conséquences de la drogue, ainsi que mes parents, surtout aux femmes qui prennent et les produits pour grossir. Ah oui, ça c'est un vrai problème. Et moi, je connais un jeune qui est dans mon quartier, qui est déjà drogué. Je m'engage à partir le conseiller, lui donner les conseils que j'ai reçus ici, à ne pas le marginaliser comme les autres aussi. Ouais. Et je crois que c'est très important que chacun d'entre nous parte d'ici en prenant une bonne résolution pour avoir une autre attitude face au problème de la drogue et à ce fléau. Et que nous nous engagions et que nous mobilisions tous ceux qui sont autour de nous contre ce fléau afin de le faire reculer. Alors, c'était pour ma part très très intéressant d'avoir passé ce temps ensemble et d'avoir eu toutes ces discussions, tous ces échanges. Ce sera avec un plaisir renouvelé que moi je prendrai part à une autre partie de thé avec vous. Et puis, sur ce, je m'en vais prendre congé de vous. À la prochaine. Ravi de vous avoir accueilli ici. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà. À la prochaine. Je pense que moi aussi, je vais m'en aller avec la ferme résolution que j'ai prise. Ok, je vous dirai à une prochaine fois. On y va ensemble. D'accord. Nous, on va. Bon, au revoir. Au revoir.